Une affaire de tromperie a encore sonné. Un truc de ouf, un truc de ouf. Quoi? Mes frères et sœurs, je vais essayer de tomber sur l'information. On nous dit qu'il y a un chanteur célèbre qui s'appelle Davido, qui a découvert récemment que sa fiancée, qui s'appelle Shona, l'a trompé. Donc, Davido a été trompé par Shona, sa fiancée, et avec qui elle l'a-t-elle trompé? On nous dit qu'elle a trompé avec un soi-disant cousin. Hein? Ça veut dire même quoi? Ça veut dire que son cousin, en réalité, n'était pas réellement son cousin. Mais ça, qu'on parlait de cela, David, il ne croyait pas. Selon l'information qu'on a reçue, une journaliste a révélé quelque temps avant que Shona et son soi-disant cousin sont tous les deux de petits amis. Les deux s'aiment depuis, même avant même de rencontrer Davido, les deux étaient ensemble. Mais apparemment, ils se sont entendus pour que la femme devienne, bon, pour que la fille devienne coûte que coûte la femme à Davido afin de lui extorquer de l'argent. Est-ce que vous voyez? Parce que le gars, il a de l'argent, il vient d'une bonne famille, il a de l'argent, ça tout le monde le sait. Et apparemment, c'est la raison pour laquelle elle est avec lui. Mais moi, je ne comprends pas, je ne comprends pas. Tout le monde ne comprend même pas. Tout le monde sur Internet ne comprend. Personne ne comprend ce qui se passe. Les femmes même sont en train de parler. Il y a une femme qui dit, vraiment, et les femmes des. Et les femmes des. Un homme comme ça que nous on cherche, nous on ne trouve pas. Quand tu as trouvé, tu laisses sa parole sortir avec une autre personne qui n'arrive pas à sa cheville. Un truc de ouf, un truc de ouf. Et moi, j'aimerais vous aussi vous poser la question, dites-moi. À la place de Davido, que feriez-vous? Si nous parlons de lui, c'est parce que c'est un être humain. Et la situation qu'il traverse peut nous arriver à nous tous ici. Le problème avec lui, c'est qu'il est vraiment riche, il a de l'argent. On ne peut pas comprendre le fait qu'il ait été trompé. Que tu n'as rien, tu approches une fille, tu regardes comme ça. Elle dit, oh, qui doit manger? Est-ce que toi tu peux m'acheter mes pommades? Est-ce que tu peux m'acheter ma gamme de pommades? Même mon parfum, même tu as des problèmes avec. Est-ce que tu peux m'acheter tout ça? Maintenant tu as eu tout ça, voici ce qui se passe. Mais le problème ici, on nous dit qu'avant qu'elle entre dans le couple, c'est-à-dire dans cette relation, elle était déjà avec le gars et les deux se sont entendus pour faire ça. Juste pour extorquer de l'argent à cet homme. Comment les gens peuvent-ils faire de pareil? 2020 euros, 2020. Mon Dieu. Tout ce que les gens font en secret en 2020, tout ça va sortir. Ma soeur, si c'est ce que tu as l'habitude de faire, ton mari ne comprend pas, il est dans rien, il n'est même pas au courant qu'on lui en parle, il ne comprend pas. En 2020, il va comprendre. Réveille-toi, même si tu l'as bassé, tu lui as envoyé des prières mystiques pour qu'il soit envoûté, il sera désenvoûté aujourd'hui. Au nom de Jésus, même il n'a qu'à être désenvoûté. Nous tous, on va voir clair dans ça. Ah, comment tu peux mentir aux enfants des gens comme ça? Et voici que dans les deux relations, même entre Davido et Shoma, sa fiancée, un enfant est sorti. Maintenant, Davido. Il est inquiet. Apparemment, selon l'information que nous avons reçue, il doute même de la paternité de l'enfant. Il se dit, mais ah, est-ce que c'est moi, c'est même moi-même le père? C'est peut-être pas moi-même le père. Il faut que j'aille faire des trucs pour savoir si c'est vraiment moi le père. Ces gens ont de l'argent pour faire de tels trucs, c'est la seconde. Ah, c'est triste. Tu rencontres une fille, tu lui dis bonjour. Elle te dit bonjour. Ah, ma soeur, tu es jolie, c'est comment? Est-ce que tu es une cœur?
J'ai un cœur à prendre. Elles sont là. Oui, mon cœur, tu vas rentrer là-dedans. Il n'y a personne. Ah, je suis sûr qu'il n'y a personne. Oui, c'est vrai, il n'y a personne. La personne avec qui j'étais là, c'est mon cousin, c'est mon conseiller, c'est ma voisine. Dès qu'une fille commence comme ça, là, tu vois en même temps que la personne qu'elle appelle son ex ou son cousin, surtout de la truc où on dit c'est mon conseiller, c'est mon cousin. Mon ami, il faut quitter là en même temps. La personne qu'elle appelle son cousin, là, où est son conseiller là? C'est son gars! Un jour tu vas la trouver sur son pied. Tu seras même surpris. Faut pas dire qu'on t'a pas dit. Faut pas dire qu'on t'a pas prévenu. Nous sommes ici pour nous donner des conseils. Nous sommes en famille. Si nous sommes pas. Il faut m'écouter. Il faut m'écouter. Et ce qui est très humain dans cette affaire de Davido, c'est qu'on nous dit qu'il y a une journaliste qui a révélé à Davido que. Cette personne que sa femme appelle son cousin là est en réalité son petit ami. Les deux sont ensemble. Ils se sont pas encore quittés. En plus, ils s'aiment beaucoup. Et qu'elle est là pour son argent. Il a même parlé mal à la journaliste là. Il a même insulté. Insulté, vous êtes un peu trop grave, mais il a même négligé, parlé un peu. Il n'était pas content. Maintenant que tout est tombé là, tout le monde est au courant, il allait s'excuser auprès de la femme journaliste là, pour dire faut moi j'avais raison, c'est moi qui m'étais trompé, pardonne-moi. Ah! Mais la question que vous allez vous poser maintenant, c'est comment a-t-il su que la femme l'a fait les trucs pareils sur son dos? Le truc est très simple. Davido a eu un problème avec l'un de ses collègues. Maintenant, dans les discussions là, dans leurs collègues, les vérités sont sorties. C'est-à-dire, une personne qui peut être genre comme son manager ou bien son producteur a dit, regardez-toi, toi tu es là, tu me parles aussi. Avec ta femme qui couche avec son soi-disant cousin depuis, et puis tu ne vois pas. Là. Ah, quand cette personne a parlé ainsi, là, ça a tiré vraiment les yeux, ça l'a ouvert les yeux. Ça l'a ouvert les yeux. Je lui ai dit tous les jours pour le vouloir, mais ce jour pour le pauvreté, non. Ça l'a ouvert les yeux, il allait mêler des enquêtes. Et il a finalement découvert la vérité. Le Seigneur Jésus-Christ a même raison. Hein? Ou bien, frère, soeur, il a raison quand il disait que rien n'est caché sous le soleil. Rien n'est caché sous le soleil. Je nous dis tous les jours pour le voleur, mais un seul jour pour le propriétaire. Finalement, on l'a attrapé. Or, il a demandé cette femme en fiançailles. En plus, ils ont un bien bébé qui est là. Ils ont dépensé beaucoup d'argent. On nous dit qu'elle stockait de l'argent, comme ça, comme ceci, pour donner à son petit ami. C'est un truc de ouf. Dites-moi, mes frères et sœurs, si vous, ça vous arrive, comment vous allez réagir? Si vous, ça vous arrive, comment vous allez réagir? Les femmes aujourd'hui sont compliquées. Est-ce qu'on doit mélanger toutes les femmes dans ce bateau-là? Moi, je connais des femmes qui sont sérieuses. Elles ne sont pas comme toutes les femmes. Mais quand de telles choses arrivent, aïe, c'est gâté. Ceux qui doivent se venger, c'est la femme qui va se venger. Ah, les femmes sont comme ça. Les femmes, oh, on vous donne tout. Mais vous ne nous respectez pas. Vous allez coucher avec quelqu'un qui n'a rien. Est-ce que les gens ont dit? Moi, quand je regarde ça, même, je me dis, la femme qui va m'aimer, c'est celle-là que je vais marier. La femme qui sera prête à dépenser tout son argent sur moi, c'est celle-là même que je vais épouser. Si tu n'es pas prête à dépenser ton argent sur moi, c'est pas la peine. Parce que c'est là où c'est tout ton argent là. C'est là où c'est tout ton cœur. Si tu investis ton argent sur moi, c'est que ton cœur est sur moi. Ou bien les frères et sœurs, est-ce que j'ai même raison? Est-ce que j'ai même raison? Ça, c'est même Dieu qui l'a dit. Et c'est vrai. Là où se trouve l'argent de la femme, là, c'est là où se trouve son cœur. Ça veut dire que la femme, là, si on nous dit c'est vrai qu'elle stockait vraiment de l'argent à Davido pour donner à son petit ami, c'est que c'est son petit ami, son soi-disant cousin, là, c'est que c'est sur lui sans doute que son cœur est réellement. Ou bien,
Là, mon frère, il faut commencer maintenant à analyser le comportement de ta copine ou de ta fiancée. Et puis, cherche à savoir, est-ce que elle te donne beaucoup de cadeaux? Est-ce que tu sens qu'elle fait beaucoup pour te garder auprès d'elle? Si tu vois tout ça, c'est que ça peut être aussi des bons signes. Parce que l'homme est multidimensionnel. On ne peut pas comprendre l'homme dans sa totalité. Mais c'est par leur comportement que vous allez le comprendre facilement et le découvrir. C'est vrai, il y a certaines femmes pour essayer de gagner votre attention peuvent aussi vous faire des dons. Mais Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas. Et il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dans le cas de David, qu'est-ce qui s'est même passé? Ce qui s'est passé, on nous dit qu'il y a une journaliste qui est venue pour lui dire la vérité sur sa relation avec la femme. Et que on nous dit que la femme même est avec son cousin. Et qu'elle est là pour son argent. Il dit, non, laisse-moi, pourquoi tu parles ainsi de ma femme? On nous dit qu'il s'est même fâché contre cette femme journaliste. Peut-être que c'est Dieu qui lui avait parlé pour lui dire, oh, moi, tu es dans une relation bizarre. Dieu ne peut pas laisser ses enfants dans l'ignorance. Dieu ne peut pas laisser ses enfants quand même dans l'ignorance. Hein. Il va tout faire pour vous montrer ce qui se passe. Que vous soyez chrétien, musulman, bouddhiste ou quoi, Dieu parle à tout le monde. C'est une chose. Il est même fort dans ça. S'il voit que la femme avec qui vous êtes, mais la copine, la fiancée avec qui vous êtes là, elle joue pas, elle joue à double jeu. Quand vous serez endormi, vous allez la voir, cette femme-là, cette fille que vous aimez bien, là, vous allez la voir avec un autre homme. Jean, tu t'endors, tu fais dans ton sommeil, tu vois la fille que tu aimes bien, là, qui prétend t'aimer, là, tu la vois sur la poitrine d'un autre homme. Ou bien tu peux la voir même dessus le lit d'une autre personne. Ce sont des signes qui ne tombent jamais. Ça, là, ça ne ment pas. C'est que c'est ça. Elle te trompe. Elle avait quelqu'un. Elle a quelqu'un d'autre dans sa vie, mais elle te ment que tu es le titulaire. Tu es la seule personne qu'elle aime. C'est en train de gâter le nom des femmes, c'est un silence. Mais est-ce qu'on doit mettre toutes les femmes dans le même bateau? Réagissez dans la partie commentaire, dites-le-moi. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Réagissez aussi dans la partie commentaire, dites-le-moi. Moi, ça m'est arrivé. Bon, d'une manière ou d'une autre, ce n'était pas trop ça, mais ce que je peux vous dire, c'est ceci. Retenez bien ce qui allait se passer. Si vous voulez vous mettre dans une relation avec quelqu'un, faites attention. Faites vraiment attention. Cette personne va venir, cette personne-là peut même briser votre cœur à cause de ce qui va se passer après. Prenez le temps de la connaître. Ne vous jetez pas dans la relation parce que vous êtes pressé ou bien vous voulez faire le buzz sur Internet. Vous voulez être vu par beaucoup de personnes. Vous voulez que les gens parlent de votre couple. Ça ne sert à rien. Le buzz dure qu'une seule semaine, un mois au maximum. Ça ne sert à rien du tout. Les vrais couples, les vraies relations ne font même pas trop de bruit. Quand vous voyez tout le temps sur les réseaux sociaux, ils sont de se donner des couples qui sont de se donner des bises matin et des soirs. C'est pour vous blaguer. C'est pour vous blaguer. On nous dit chez nous, le serpent le plus gros de la forêt, c'est celui-là même qui se cache beaucoup. Ça veut dire quoi? Lui, il fait ses trucs en secret. Il mange les petites biches. Et il se cache quelque part. Il grossit. Et il grossit. Et il dure longtemps. Personne ne peut savoir ce qu'il a été fait. Personne ne comprend la magouille. Parce qu'il ne révèle pas cela. Mais s'il voulait sortir de sa tanière pour venir montrer à tout le monde que oh, c'est moi le serpent le plus choco de la forêt. Moi, je mange les biches. Je ne mange pas n'importe quoi. Il allait mourir. Quelqu'un allait le tuer. Le chanteur a dit ah! Comme toi, je ne sais pas qui mange pas n'importe quoi là, viens. Nous, on va te manger parce que nous aussi, on ne mange pas n'importe quoi. C'est pas de la blague, hein. Regardez très bien. Évitez d'afficher vos relations passées par là. Il y a beaucoup de célébrités qui font ça, ces célébrités affichent les relations passées par là. Mais regardez, il y a beaucoup de breaks ces temps-ci. On dit Rihanna n'est plus avec cet homme riche avec qui elle était, elle a retourné avec son ex. Et puis les filles, là, elle retourne couper les ex à chaque fois quand ça se passe ainsi. Hein. Ah! Ou
Les deux étaient ensemble avant, ou bien c'est quoi? D'autres personnes se sont dit, ah, vous les hommes riches là, vous passez votre temps à voyager, vous ne prenez pas bien la femme là, donc quelqu'un d'autre qui est là va la prendre bien, du genre tout de sexe quoi. Du genre, peut-être lui ne fait pas bien le truc au lit. Comme ça, comme ça, comme ça. Bon, il ne faisait pas bien le truc au lit, et puis ou bien tu n'appréciais pas bien ça. Mais c'est dans la communication. Si tu l'aimes vraiment, si vous vous aimez vraiment. Il y a un moyen, que ce soit un problème de taille de sexe ou quoi, il y a toujours une solution, non? Mais n'ayez pas n'importe quelle solution. Je croyais à crainte de Dieu. Mais il y a toujours une solution. Et c'est dans la communication que vous dites, vraiment, voici, on s'aime, mais là, sur le lit, c'est un peu chaud. Viens, on va apprendre des vraies choses parce que moi, je ne veux pas être une fille qui passe son temps à sortir avec tous les, avec plusieurs gars. Viens, on va s'apprendre des vraies choses. Comment ça se passe? Je vais te dire comment il faut faire pour me satisfaire. Comment tu dois faire comme ça? Oui, est-ce que l'homme là, il connaît même ton corps? Tout le monde va connaître la chose comme c'est toi. Si toi, tu as quelques expériences, tu peux apprendre au gars. C'est pas parce que les riches qui connaissent ça. Peut-être qu'ils s'y connaissent, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Mais ça, c'est une autre chose. Parce que dans le cas où nous avons été parler, on nous dit que la fille est, sous son soi-disant, ami, bon, cousin. On nous dit que les deux s'aiment. Mais son cœur est déjà là-bas, derrière longtemps. Un truc où son cœur est déjà là-bas, il y a longtemps. Là. Comment tu vas faire pour aller arracher son cœur? Comment? C'est compliqué, hein? Qu'est-ce qu'on nous dit même chez nous, souvent? On dit... L'amour n'est pas forcé. L'amour, c'est pas forcé, non. L'amour, c'est pas forcé. Est-ce que moi, je suis tombé dans un cas où j'ai... Moi, j'aime tout le monde, c'est ça. C'est tout pareil. Mais vraiment, faites vraiment très attention. Aujourd'hui, là, quand vous allez sur Internet, quelles sont les vidéos qui marchent beaucoup? Quelles sont les vidéos qui marchent vraiment beaucoup? Ou beaucoup de vues? Ce sont les vidéos du type... Gold Digger. Oui, c'est une vidéo que j'ai vue. Une fille qui a. Elle a même oublié même son petit ami avec qui elle est restée 5 ans à cause d'un nouvel homme qui est venu juste là devant elle avec une voiture de luxe. À cause d'une voiture de luxe. Elle a même oublié son gars, chez qui elle l'aime. Cet homme, il était même envoyé par son gars même. Elle ne sait pas que c'est cette personne qui est venue avec une voiture de luxe devant elle. C'est une personne qui s'est entendue avec son copain pour venir juste la tester pour voir si elle est une vraie femme. Souvent même, il faut tester les femmes aussi. Il dit, mais il faut les tester. Il dit, je suis mes copines. Bon, ce n'est pas mes copines, mais mes soeurs, je vous dis, on doit vous tester. Si vous êtes bonne, vous êtes bonne. Il n'y a rien à faire. Vous allez nous prouver ça aujourd'hui. On va même se tester en tout. Maintenant, on va même se tester. Ah, maintenant, il teste la fille. Il envoie un homme qui... à une belle voiture qui est présentable juste pour voir si elle est une gold digger, si elle est là juste, si elle est matérialiste quoi, si elle est là elle aime l'argent et que pour l'argent elle est prête même à abandonner même son homme. Il envoie cet homme là là-bas, cet homme là lui pose la question, mais est-ce que tu as un petit ami? Elle a vu la voiture, la voiture très chère, la voiture de luxe. Elle a même oublié même où elle est. Elle a même oublié. Elle dit non, je n'ai pas de petite amie. Hein. Je suis libre, je suis un cœur à prendre. En même temps, elle dit qu'elle a un cœur à prendre parce qu'elle avait une voiture. Cet homme me dit, quoi, tu as un cœur à prendre? Oh, lui, il sait qu'il a fait un coup avec son petit ami. Lui, il sait qui est la femme, il sait qui est la fille. Il a déjà fait un coup avec son petit ami. Donc, il est même lui-même, il est même étonné de sa réaction. Il s'est dit, bon, comme les deux ont fait 5 ans, il va juste jouer le jeu et puis il va dire félicitations. Après, lui-même, c'est pour parler, mais peut-être à la dernière cadeau pour leur dire félicitations, c'est bien. Mais il dit, ah, j'ai qu'à apprendre, sérieux, j'ai qu'à apprendre.
Il a continué le jeu, il dit, ok, pas de souci. Bon, on veut se rencontrer, mais j'ai un petit cadeau pour toi. Écoute, ferme les yeux et puis tourne-toi. Elle a fermé les yeux et s'est retournée. Et il va compter maintenant. 1, 2, 3, 4, 5. Et imaginez la suite. Son petit copain, ça dit son copain, avec qui elle est là depuis 5 ans. Il est apparu là, boum, quand elle ouvre les yeux. Ouh. Qu'est-ce que tu fais ici? Il dit, toi, qu'est-ce que tu fais ici? Et puis, qu'est-ce que tu t'es dit à mon ami? Ce gars, je le connais, c'est moi qui l'ai envoyé pour te tester. Et voici, j'ai tombé dans le piège. Waouh! Bon, retourne chez moi, prends tes affaires et puis, et pas. Elle dit, oh, je m'en fous, de toute façon, on était ensemble, moi, il y a longtemps, mais je voulais te laisser. Ah! C'est mettre ça sort de ta bouche que tu voulais me laisser depuis. À faire des relations avec des couples, c'est pas facile. À faire des relations avec des couples, c'est pas facile. Les filles sont là, dit moi, je suis pas des gens d'histoire. J'ai deux gars, trois gars, et puis c'est moi qui les paye. C'est moi, je te paye. Tu finis de faire tes semaines. C'est ce que je te demande. Tu t'en vas. Il n'y a pas besoin de relations. Il y a deux gars aussi qui sont là, dit moi, j'ai tout eu chagrin d'amour. Donc, ça a fait des femmes, moi je ne suis pas dedans. Je vais voir les femmes prostituées, on s'entend, et puis c'est tout. Et il y a des gens qui ont décidé de vivre comme ça. Il y a d'autres mecs qui ont décidé d'aller plus loin, avoir des poupées qu'on flatte. La personne dit, au moins ma poupée ne va pas me tromper. Qu'est-ce que nous devons faire? Chagrin d'amour. On lui dit même que ce gars, David, il est même dans chagrin d'amour même en ce moment. C'est normal, c'est un humain. Courage à toi, mon ami. Courage à toi, c'est pas facile. C'est pas facile. Mais comme toute chose passe, ce vent-là va passer. Mais nous qui sommes là pour voir ce qui s'est passé là, ha, que ça nous serve de leçon aussi pour qu'on ne tombe pas dans telles situations. C'est pourquoi nous-mêmes, nous sommes bons ici, nous faisons cette vidéo extraordinaire. Si vous avez aimé, cliquez tout de suite, j'aime, partager là. Afin que ça aide beaucoup de personnes. C'est parti pour la prochaine vidéo. Nous venons de nous réveiller. Il y a souvent un show. C'est parti. Let's go pour la prochaine vidéo.